Bonjour et bienvenue à cette capsule santé. Aujourd'hui, ce sera question d'eau florale, d'hydrolat, en fait, d'hydrolathérapie. Les eaux florales, c'est une eau qui est recueillie après distillation de la plante. Elle contient en faible proportion les mêmes composantes et propriétés qu'une huile essentielle. Vous savez, quand on fabrique une huile essentielle, à la fin, ce qu'on va retenir, c'est l'huile essentielle en petite proportion, puis l'eau florale en grande quantité. La seule chose qui est intéressante, c'est qu'une eau florale, on va travailler au niveau d'une lotion tonique sans alcool, avec un arôme incroyable, avec des propriétés thérapeutiques et cosmétiques de la plante, mais sans le côté toxique. Fait que c'est odorant doux, puis c'est non toxique. Au niveau de la conservation, c'est intéressant parce qu'on met ça au frigidaire ou on met ça dans un endroit frais, à l'abri de la lumière. C'est la manière de les conserver. Moins dispendieux, c'est moins puissant, sans danger. Puis, sachez qu'au niveau culinaire, c'est merveilleux. J'adore. Exemple, aujourd'hui, je vous parle de l'eau florale de menthe poivrée, qui a un petit goût incroyable de menthe. Vous savez, vous mangez, vous voulez faire une petite sauce avec un goût de menthe. Moi, je rajoute de l'eau florale de menthe quand je fais ma sauce pour l'allonger. Vous allez voir, ça a un petit goût très intéressant. Dans une salade de fruits, hein, on en rajoute dans une salade de fruits. Puis, au niveau alimentaire, on peut tellement faire plein de choses. Un gâteau, dans un crémage à gâteau aussi. Puis, au niveau tout le temps culinaire, je vous dirais que l'eau florale de menthe, on peut le mettre dans un lait qui a un petit goût de menthe. On peut le mettre dans une tasse d'eau chaude, une cuillère dans une tasse d'eau chaude, vous buvez automatiquement digestion, ça travaille au niveau du foie, de la vésicule biliaire, le pancréas, puis ça a un goût incroyable. Vous avez déjà pris une tisane? Une tisane avec l'eau florale, c'est complètement différent, on est dans les molécules. Il faut comprendre que l'eau florale de menthe poivrée, c'est celle qui est la plus riche en molécules aromatiques, fait que très goûteuse. Elle travaille au niveau de la circulation, c'est apaisant et c'est rafraîchissant. Tonique, apaisant, même au niveau des coups de soleil. Vous avez un coup de soleil, vous avez une douleur, vous faites juste un ou deux sprays directement à l'endroit où vous les rafraîchissez. C'est instantané. Vous allez voir, ça fait frais tout de suite. Puis moi, je la mets au frigidaire avant, qui fait que c'est plus frais. Comme exemple pour les bouffées de chaleur. Hein? Fait que bouffées de chaleur, vous la mettez directement dans votre visage. Vous allez voir, ça fait frais. Puis ça vient froid après. La menthe, ça vient vraiment très froid. Moi, je le conseille beaucoup, même aux thérapeutes qui travaillent avec les soins des pieds, de le faire sur les pieds des gens avant de travailler des points, des endroits qui sont comme douloureux, parce que c'est très apaisant. Vous avez dansé toute la nuit, vous avez les pieds fatigués. Vous en mettez sur vos pieds, c'est instantané à la fin de journée, le travail. Au niveau du visage, directement tous les soirs, comme lotion tonique, ceux qui font de la coupe rose, ben, ça décongestionne au niveau de la microcirculation. Donc, coupe rose, acné rosacée, problème de peau, vraiment, wow, merveilleux. Les jambes lourdes aussi, hein, varices, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on peut donner au niveau, j'imagine, mettons, le zona. L'urticaire, quelqu'un qui a un zona, ça fait mal, c'est douloureux, c'est rafraîchissant, c'est apaisant. Vraiment un beau produit à découvrir. Je vous termine en vous parlant du petit côté émotionnel. C'est l'eau florale va agir du côté émotionnel comme apaisant dans les tempéraments explosifs et irritables, agit sur le côté gauche du cerveau, stimule le sens cartésien et analytique, aide à garder la tête froide, stimulant mental et l'aide à s'éveiller et à se concentrer. Fait qu'on va le donner pour la personne qui a un problème d'agacement, d'irritabilité, de colère, difficulté à s'exprimer sans s'énerver, des personnalités hyper émotives, difficulté de concentration, manque d'envie de concrétiser ses projets, fatigue et coup de pompe. Pour ces personnes-là, facile, une cuillère d'eau de menthe poivrée, d'eau florale de menthe poivrée, dans un litre d'eau. Vous buvez ça tout au long de la journée pour 20 jours. Voici votre cure pour le côté émotionnel, mais ça peut être la même cure pour le côté digestion, foie, vésicule biliaire. Facile, pas compliqué. Ça goûte pas fort, c'est le fun. Beau produit à découvrir, pas dispendieux. En terminant, une petite recette. Je vous conseille, si vous prenez un coup de soleil, vous allez dans le sud, 2 cuillères d'eau florale de menthe poivrée, 2 cuillères de gel d'aloès. Mélangez ça sur un coup de soleil. Wow! Merveilleux pour enlever l'irritation, la douleur, le côté très brûlant du coup de soleil ou de n'importe quel problème de peau, parce que l'aloès va agir à d'autres niveaux. J'espère que cette capsule santé vous a plu. Je remercie la compagnie Nature Beauté Santé de nous avoir bien prêté son eau florale Aroma Nature Menthe Poivrée. Et j'espère que cette capsule vous a intéressé. Merci!